Le Beyblade. Une compétition au cours de laquelle les bladeurs les plus doués s'affrontent pour déterminer qui sera le meilleur. Et maintenant, les combats passent en mode turbo. L'aventure devient encore plus passionnante, tandis que de nouveaux champions sont prêts à faire le maximum. Leur but, devenir champion du monde. Le décor est planté et les joueurs sont prêts pour le défi turbo. Quel est le concurrent qui réussira à conquérir le titre de meilleur blader du monde? À percer ses défenses, mais c'est loin d'être fini. C'est magnifique. J'attends depuis si longtemps de t'entendre pousser des cris de désespoir. Attaque à l'essence! C'est incroyable. Il a réussi à encaisser mon attaque. Envoie le valse une fois pour toutes, Achilles! Après avoir vaincu Valt et avoir été déclaré nouveau champion du monde, j'ai affronté Fai dans un combat non officiel. Ensuite, c'est Hyde, du Turbo 4, qui m'a défié. Et bien sûr, j'ai accepté de l'affronter. Ah. Voici mes prévisions. Après le premier combat, j'aurai remporté 2 points par KO explosif. Et pendant le deuxième, je gagnerai tranquillement mes 2 points suivants. Je vais te battre par 4 à 0. Et le dernier point sera la cerise sur le gâteau. Ah, 3, 2, 1. Ah, hyper vitesse. Ah, explose-le tout de suite. Fouet turbo. Pas si vite. Poussée terrifiante. Et exploser Achilles. Conclusion, Hyde a gagné 2 points comme il l'avait prédit. C'est ça, l'histoire. Mais sache que bientôt, c'est moi qui rirai. Sois ce héros que le monde réclame. Fais tourner ta toupie, prends part au combat. Hyper vitesse, mais et tout ton âme. Acclamez-moi, je suis le meilleur et vous le savez tous. Je veux que tout le monde le sache, je veux écraser ce faux champion. Tu entends ça, Hyder Akabane? Tu viens d'assister à ma technique ultime, la redoutable poussée terrifiante. Maintenant reprenons, tu veux? J'ai hâte de gagner 2 autres points avec un deuxième KO explosif. Et là, notre petit jeu sera enfin terminé. Décidément, le challenger semble toujours aussi sûr de lui. Mais notre champion va-t-il le laisser parvenir à ses fins? Qu'est-ce que vous en dites? Criez si vous voulez que je l'explose à nouveau! Et qui sera votre seul véritable roi? Qu'est-ce que vous dites? Désolé, mais je n'ai presque rien entendu. Bien! Voilà des paroles que j'aime entendre. Et maintenant, que le jeu recommence. J'y crois pas, cette bande de traîtres acclame Hyde maintenant. J'ai peur pour Hyder, vous croyez que tout ira bien? Oui, sauf s'il se laisse atteindre par tout ça. Il faut absolument qu'il reste calme. Comment je vais faire pour gagner? Ça ne va pas, Achilles. Allez, dis-moi quelque chose. Hé, attendez. On dirait que Hyder essaie de parler à Achilles. Il ne peut rien faire d'autre. Il faut qu'il augmente sa résonance. C'est le seul choix possible. Mais c'est pas facile.
désolée, Achilles. Tu dois me faire confiance. On va gagner ce combat ensemble, je te le promets. Oui, oui, c'est ça, Achilles. Donne-moi encore ton extraordinaire pouvoir. Et fais le maximum. C'est parti, on reprend. Et on va gagner, toi et moi, je le sens. On va le vaincre une bonne fois pour toutes, en mode attaque. Allez, vas-y, Iger, t'es le meilleur. On a confiance en toi, Iger. Et maintenant, à mon tour de faire des prévisions. Je vais exploser ta toupie et remporter 2 points d'un coup. Bien, voyons ce dont tu es capable. Le deuxième combat va commencer. Hyde va-t-il continuer comme il a commencé? Ou notre champion arrivera-t-il à conserver son titre? Alors, c'est ce gamin qui a vaincu mon frère. J'ai du mal à comprendre comment. Allez, champion, en route pour la défaite. J'ai hâte de te faire tomber. Deuxième combat. À vos marques. Prêt. 3, 2, 1. Hyper Courage, Achilles! On va en finir avec lui! Attaque avec propulsion turbo! Les défenses de Hades sont un vrai mur de briques! Achilles a beau attaquer, il n'arrive pas à les traverser! Cette fois, on est tout prêt, Achilles! Attaque encore! J'ai l'impression de vouloir déplacer une montagne! Montre-lui qui est le seul vrai champion. Fonce et envoie valser Hades. Regardez ça! Achilles lance une stupéfiante contre-attaque! Hades semble avoir du mal à reprendre son souffle! S'il continue comme ça, Achilles va percer ses défenses! Excellent! Montre-lui qui commande! Oui, continue comme ça! Allez, Iger! Ne recule pas, Achilles! Attaque sans pitié! Magnifique! Hors du commun! J'en veux encore! Je t'en prie, Hyder, ne me déçois pas. Hades, c'est le moment! Gravité terrifiante! Non, mais vous avez vu ça? Tiens bon, Achilles! Le combat n'est pas fini! Iger! C'est un chaos explosif! 2 points pour Dread Hades! Hyde l'emporte avec un score de 4-0! C'était l'attaque la plus hallucinante de toute ma carrière! Gravité terrifiante a explosé Achilles une seconde fois! Et Hyde a gagné après 2 chaos explosifs comme il l'avait prédit! Nous avons un nouveau champion du monde! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis bien amusé avec toi, Iger. Tu m'as montré exactement ce que j'avais envie de voir. Alors, dites-moi, qui est le vrai champion? Ah oui, le pauvre, il doit se sentir trop mal. Aïe.
tient le coup. Oh, et attends! Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi j'ai perdu? Ma résonance avec Achilles était devenue bien plus forte, alors pourquoi? Qui es-tu, toi? Je m'appelle Evel Iger. Et Hyde m'a demandé de te faire passer un message. Quel genre de message? Il voudrait que tu saches qu'il a beaucoup apprécié votre combat. Ah ouais? Eh bien, tu lui diras que c'est pas réciproque. Je suis seulement venu te transmettre l'opinion de Hyde. Je n'ai pas demandé à connaître ton avis sur la question. Ça vaut mieux. Hyde m'a dit que tu as tout ce qu'il faut pour devenir plus fort. Ce n'est pas parce qu'il m'a battu une fois qu'il sait tout mieux que les autres. En tout cas, la conclusion à tirer de votre premier affrontement est évidente. Tu peux me croire, mes calculs sont toujours à 100% corrects, Iger. Hyde te battra toujours, c'est certain. Retire ce que tu viens de dire. Je suis loin d'être le seul à le penser. N'importe quel spectateur te dira que c'est un fait acquis. Et je peux savoir où tu veux en venir avec tout ça? Si tu désires vraiment devenir plus fort, tu peux répondre à cette invitation et te rendre à la Tour Dredd. La Tour Dredd? Qu'est-ce que c'est? Tu l'apprendras bien assez tôt. Hyde t'attendra là-bas. Je me demande bien à quel jeu il veut jouer. Bonjour, Iger. Heureux que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Pourrais-tu venir me parler quelques instants? Cette dernière défaite est extrêmement regrettable, mais tu apprendras que la vie est ainsi faite. Parfois on perd, parfois on gagne, et même si tu as du mal à l'accepter en ce moment, tu finiras par te rendre... Bonjour, monsieur. Vous parlez à qui? Oh, tu es là. Bonjour, Iger. Qu'est-ce que vous faites à côté de ma tante? Je préférerais que tu me dises ce que toi, tu es en train de faire. Attendez, je vais vous montrer... Je m'entraîne dur avec mon spécial turbo. Attends, ce ne serait pas... Oui, c'est lui, j'en suis sûr. C'est l'horrible engin qui revient si souvent hanter mes cauchemars. Ok. Oh, Iger, ce n'est pas ok, pas ok du tout. Et c'est reparti. C'était quoi, ça? Monsieur le directeur, ça va? Ranjiro et ses acolytes, je suis heureux de voir que vous allez bien tous les six. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, comme d'habitude, notre ami Iger a recommencé à s'entraîner aussi dur que possible. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qui vous arrive à tous? C'est ça, les membres du fameux club de Beyblade? J'ai l'impression de combattre contre des bébés. Il doit bien y avoir quelqu'un ici avec qui je puisse livrer un combat plus ou moins décent, non? Iger, oh, si tu veux un beau combat, je suis là. Génial. Allez, on sois prudent, je t'en prie. Oh. Ils vont commencer. À vos marques, prêts? 3, 2, 1, hyper! Allez, fonce, Achilles! Envoie le valser! Le gagnant est Spiral Dreptune. Un point sur KO par sortie d'arène. J'ai rêvé ou c'est sérieux? Toko a gagné un point face à Iger. Non, pas vraiment. Achilles avait tellement d'énergie qu'il s'est sorti lui-même. Iger, attends! Mince, il l'a mal pris, et je le comprends. Je me suis amélioré, mais c'est pas encore assez! Oh! Oh! Suo! Bonjour, Iger. J'ai assisté à ton pathétique combat pour le titre. Attention à ce que tu dis! Tu as vraiment changé ces derniers temps. Oh,
Il t'est arrivé quelque chose après que j'ai quitté le croiseur de combat. Dis-moi, que s'est-il passé? Je vois pas de quoi tu parles. Je suis toujours le même, je n'ai pas changé. Je suis juste plus fort qu'avant. En es-tu vraiment sûr? Dans ce cas, que dirais-tu de livrer un petit combat tous les deux? Et pourquoi je t'affronterais? Puisque tu as perdu ton titre, j'aimerais savoir en combien de secondes je peux vaincre un ex-champion du monde. Tu te fiches de moi? Bon, très bien, je relève ton défi. Allons-y. Je vois que tu veux commencer en mode attaque. Je te suis et je te conseille de t'accrocher. Le combat commence. 3, 2, 1, hyper vitesse. Vas-y, Salamander, écrase-le. Force, Achilles. Rends coup pour coup. Oui, excellent, Salamander. Tu vas le mettre en pièces. Tu as changé. Je t'ai déjà dit que j'étais toujours le même. Je suis devenu plus fort, c'est tout. Et je compte bien devenir plus fort encore. Jusqu'où comptes-tu aller comme ça? Aussi loin que je le pourrai, qu'est-ce que tu crois? Je deviendrai le blader le plus fort du monde, quel que soit le prix à payer. Arrête! On peut savoir où tu étais? Te voilà enfin. Je viens de terminer un combat contre Suo. Vous auriez dû voir exploser son salamandar. Bien joué. Où est passé Toko? J'y allais doucement tout à l'heure, mais j'ai l'intention de changer ça. Je vais le combattre et exploser son traptune en un rien de temps. Il faut que tu te calmes, Iger. On peut savoir ce que tu cherches à faire exactement? Qu'est-ce que tu dis? Lâche-moi tout de suite, Ranjiro. Ça t'arrive de m'écouter parfois? Mon unique but est de devenir le meilleur blader du monde, tu le sais, non? Oui, bien sûr que je le sais. Mais il y a quelque chose qui cloche chez toi en ce moment. N'importe quoi, il n'y a rien qui cloche. Toi et les autres, vous ne comprenez rien à rien. Ah, répète un peu. Je travaille comme un fou et personne ne s'en aperçoit. C'est dingue, ça. Pourquoi personne ne me comprend? Iger! Laisse tomber, grand chef, et fiche-moi la paix. Alors, on fait quoi maintenant? Ne t'inquiète pas pour lui, Naru, tout va s'arranger. Tu as combattu Iger? Pourquoi? Ça te dérange? Je suis sûr que tu aimerais savoir qui a remporté la victoire. Pas vraiment, je suis plutôt curieux de savoir pourquoi tu m'as fait venir. Tu as assisté au match pour le titre qu'il a opposé à Hyde, n'est-ce pas? Oui, et alors? C'était la première fois que je lui trouvais un air aussi pitoyable. Ça m'a attristé. Et après, même les meilleurs champions ont des mauvais jours, tu sais, ça arrive. Iger ne fait pas exception. Ce n'est pas ça. Hein? Tiens, prends Valtaoi, par exemple. Ou encore un joueur comme Louis Shirosagi. Même dans la défaite, il reste beau à regarder. C'est à cela qu'on reconnaît un grand champion. La défaite d'Iger était hideuse. Il n'y avait plus la moindre trace de beauté.
Je veux continuer à mener de beaux combats, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas comme cette épave. Tu sais que je dis vrai, Fubuki. Quelque chose a changé en Higer sur le croiseur de combat, pour un bien ou pour un mal. Tout ce qui a changé, c'est sa résonance avec Achilles. Il est devenu plus fort. Mais quel prix a-t-il dû payer pour y arriver ? Dans sa quête de puissance, Higer a mis le pied dans un royaume que tous les Bladers se doivent d'éviter. Hyper vitesse ! Tu sais qu'il a prévu d'aller le plus loin possible coûte que coûte ? Non, tu te trompes sur lui ! Tu crois vraiment ? Il s'est engagé sur un chemin où il n'y a pas de retour possible. Si, il reviendra ! Même si je dois aller le chercher moi-même ! Alors bonne chance. Hyper vitesse ! Épisode de Biblic Burst Turbo Valtriac, la Renaissance 3.